Bonjour tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous et que tout va bien. On espère dans le meilleur des mondes, inshallah. Allahumma salli wa salam barak ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bon, après avoir bien mangé, alhamdoulilah, il est temps de vider le lave-vaisselle, voilà. Chose que je m'oblige à faire le matin quand il est bien plein et qu'on l'a bien sûr fait tourner le soir. Pourquoi le soir? Puisque bah, déjà d'une, il y a toute la vaisselle de la journée. Et parce que les heures sont creuses, voilà, c'est moins cher niveau économie. C'est quand même mieux pour nous. Je vais me dépêcher, comme ça je viendrai, d'accord? Allez, vas-y. Bon, maintenant on va passer aux madeleines. Version française, version espagnole. On va commencer par les espagnols. Je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Allez, bismillah, on va commencer par les œufs. Ensuite, comme pour un gâteau traditionnel, hein, le sucre vanillé. La pincée de sel. On mélange bien. Je rajoute l'huile tout en mélangeant et je mélange bien, 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 c'est important. Ensuite, le lait, je vais tout laisser ici parce que j'en aurai besoin pour la suite. Le zeste d'un citron. Et en dernier, je rajoute la farine en deux fois, la levure chimique. Là, moi j'ai 11 grammes, on va s'arrêter
à 8. Et voilà, la pâte à madeleine espagnole est prête. Par contre, je n'ai ni préchauffé mon four, je l'ai pas allumé quoi, parce que je vais la recouvrir et je vais la mettre au frigo. Alors vous pouvez soit toute la nuit, vous pouvez par exemple vous avancer le soir pour le lendemain, vous pouvez les laisser aussi pendant 2 heures au frigo, et sinon vous pouvez, si vous êtes pressé, tricher un petit peu, voilà, une demi-heure jusqu'à 1 heure au congélateur. Et c'est ce qui va vous donner en fait la bosse sur le haut. Vous savez, l'effet là bien gonflé comme ça, la belle bosse. Et c'est le choc thermique qui va faire ça, comme pour les madeleines françaises. Voilà, c'est vraiment, je dirais, l'astuce à faire, le petit secret des madeleines. Mais ça, voilà, tout le monde connaît, pour avoir un très très bon résultat. Allez, moi je recouvre et je mets au frigo. Et je vais passer maintenant à la pâte qui est un petit peu différente de celle-ci au niveau des grammages des madeleines françaises. Maintenant, on va passer à la version française, et cette fois-ci avec du beurre. Et oui, on est en France. Allez, c'est parti. Les œufs, le sucre, vanillé et la pincée de sel. On mélange. Je rajoute le lait. La farine en 2 ou 3 fois. Je vais transvaser le tout parce que mon saladier est trop petit finalement. Je vais prendre une marise pour tout récupérer. De levure chimique. Moi, ça a vu d'œil. Hop là, on mélange. J'en ai mis partout. En dernier, je rajoute le beurre fondu. On mélange délicatement, attention. Alors, au début, j'ai mélangé délicatement parce que sinon, ça risque d'éclabousser et puis c'est du gras. Voilà, après, ça risque de ne pas partir sur les vêtements. Et une fois que, ben voilà, il n'y a plus vraiment de liquide,
je peux donner voilà, un bon coup de mélange pour que la pâte soit bien homogène et que le gras vient bien se mélanger au reste de la pâte. Allez, la pâte, elle est prête. Voilà, c'est exactement la même chose que les madeleines espagnoles. Et puis celle-ci, voilà, on sait très bien qu'il faut absolument qu'il y ait ce choc thermique pour avoir la belle bosse qu'on veut obtenir dans cette belle madeleine, dans cette bonne et belle madeleine. Voilà, je vais la recouvrir là de suite et je vais la mettre pareil au frigo. Pareil, je veux m'avancer la veille pour le lendemain, pour le petit déjeuner, pour un brunch. Voilà, j'ai du temps, je vais la faire la veille pour le lendemain, c'est parfait. Il faut simplement la couvrir et la mettre au frais. Sinon, on peut la laisser 2-3 heures ou bien voilà, comme je vous ai dit, un petit peu au congélateur. Ensuite, il y a quelque chose de très important. Tout ce qui est gâteau dans les petites caissettes et que vous voulez cupcake, muffins, etc., que vous voulez avoir une belle bosse comme ceci, eh ben, il est très important que la pâte soit un petit peu comme celle-ci, hein, vraiment, comme celle-ci et même les madeleines espagnoles, qu'elles soient un petit peu plus lourdes et pas liquides et pas légères. Parce que sinon, en fait, ça vient se disperser comme ceci. Voilà. Et au lieu d'avoir une belle bosse. Ça, c'est très, très important. Mieux rajouter 30-50 grammes de farine et de bien mélanger. Vous allez voir, vous allez obtenir, en fait, cette belle bosse qui va sur le haut. Et au lieu de se disperser comme ceci et que ça c'est assez plat et après, on ne peut pas faire une jolie déco. Encore, voilà, un cupcake, de la mousse, etc. Mais après, même à l'intérieur, c'est pas extraordinaire. Mieux rajouter un petit peu de farine. Vous allez voir, ça va bien monter en hauteur. Allez, moi, je vais la couvrir et la réserver au frais. Allez, moi, je vais commencer par celle-ci parce que celle-ci, en fait, j'avais pas de la place au frigo et je l'ai mise au congélateur. Regardez. La pâte vraiment durcie. Hein. Là, elle est bien froide. Et puis, ben, on va mettre ce qu'il faut ici dans le moule. Moi, j'aime bien m'aider. Ben, soit vous vous aidez d'une poche à douille, soit juste de deux cuillères. Moi, j'aime bien avec la cuillère à glace. Par contre, je l'ai bien remplie. Et il va falloir être assez rapide parce que la pâte doit être bien froide, comme ici. Je vais juste de la sortir du congélateur. Je l'ai laissé une heure à peu près, oui. Et le four, là, il a 200 degrés. Non, 220 degrés. C'est très rapide hein, comme cuisson. Hein. Il faut compter 5-7 minutes en fonction de votre four. Mais voilà, 200 degrés, 220 degrés, ça va assez vite. Hein. Moi, 220 degrés et pour l'instant, je vais laisser. Et entre chaque plaque, je remets bien sûr la pâte au frais. Regardez-moi ce résultat. Vous avez vu? Vous avez vu cette coque magnifique? Vous avez vu ces madeleines? Et non, je ne les ai pas achetées. Hein. C'est vraiment celles que j'ai faites. De toute façon, ça se voit où là-dessous. Regardez-moi ça. Bah là, ça se voit que c'est pas une achetée du tout. Vous avez vu ça? Oh là là, j'ai hâte de manger, j'attends encore, allez, une minute et je sors la plaque. On va passer maintenant aux madeleines espagnoles. Ici, j'ai mis des petites caissettes, voilà, moi j'aime bien de temps en temps. Pas tout le temps, mais là j'en ai, j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas. Elles étaient bien au frigo, c'est super froid et regardez, pareil, ça épaissit. C'est pas vraiment comme l'autre, hein, quand même. Hein. C'est deux pâtes vraiment différentes. Allez, pareil, je vais mettre dans les caissettes ici, à peu près, voilà, aux trois quarts.
Et bien sûr, comme toute madeleine espagnole, on met du sucre par-dessus et hop, vite, on enfourne parce que, ben, comme je vous expliquais, la pâte bien froide, le four bien chaud. Alors, verdict, ce sont des bonnes madeleines françaises ou pas celles-ci? Regardez-moi ça. Vous avez vu? Celles-ci, elles sont un petit peu moins cuites. Je vous explique parce qu'en fait, celles-ci, je les ai fait cuire en même temps que celles-ci. Et j'aurais pas dû, bah, c'est pour ça qu'elles sont plates, vous voyez? Que si, parce que j'ai dû baisser les degrés par rapport aux madeleines espagnoles parce que ça a vite pris. Niveau coloration, coloration sur le dessus, bah, normal. Comme il y a du sucre, ça colore très très vite, ça caramélise. Et les premières ne sont pas comme les deuxièmes et les troisièmes ne sont pas comme les deuxièmes. Parce que bah, après, voilà, j'ai repris une cuisson normale, comme je vous ai expliqué pour les madeleines françaises. Pour vous dire, hein, regardez, c'est la même pâte, mais c'est pas la même cuisson, regardez. Vous voyez la différence? Et là, je les ai retournées, mais pour moi, voilà, il est vraiment... Moi, je suis obligée de vous montrer, voilà. Vous savez que je suis très transparente avec vous. Je ne peux pas vous mentir ou quoi. Et, bah, regardez. Bah, elles sont bonnes, hein. C'est exactement le même goût. C'est exactement la même chose. Regardez, c'est aussi mou à l'intérieur que celle-ci. Voilà, regardez. Et du fait maison, vraiment, c'est pas du tout pareil que industriel. Et là, avec le citron, c'est top. Là aussi, on aurait pu mettre des zestes. D'agrumes, de citron. Allez, bismillah, on ouvre celle-ci. Dans des caissettes ou pas, hein, juste un simple moule à muffin. Regardez, déjà, ça enlève facilement. Pourquoi je mets ça là? Hop, regardez. Pareil, elles sont bien moelleuses. Il est à peine 15h10, mes enfants veulent déjà manger. Oui, puisqu'ils ont vu tout ça, ils veulent prendre leur goûter tout de suite. Regardez ça. Elles sont bonnes. Mais... Avec la main droite de préférence. Mmh. Elles sont super moelleuses. Elles sont très très bonnes. Pardon, j'ai pas la bouche pleine, mais elles sont trop trop bonnes. Celle-ci, j'ai déjà goûté. Et ça, c'est monté, là, pour tout de suite. Moi aussi, je vais faire le goûter en avance. Moi aussi. On va faire le goûter en avance. Bah, reproduisez ces superbes recettes. Franchement, elles sont juste top. Elles sont très, très bonnes. Elles sont hyper délicieuses avec des ingrédients de base qu'on a à la maison. Et regardez, ici, il faut en compter à peu près 6 de moins, 5, 6 de moins. Là, il y a vraiment le compte. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui est passé que j'ai pas vu. Mais ça vous nous a donné quand même un bon, une bonne quantité, un bon plateau. Saharaha, merci d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Le like, c'est juste ben, pour nous encourager à continuer et que ben, YouTube nous met en avant. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les vues, c'est pas trop ça. À très vite, Inch'Allah.